J'ai des petits fraisiers, mais je crois que bah, elle décède. Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Donc là, il est 10h30, je me lève. Ouh, ça se sent à ma voix que je me lève, vous voyez? La question est pourquoi je vous vlog aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup demandé suite à un sondage sur Insta. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ces lumières de merde là? De vous montrer mon appartement, de vous montrer l'évolution de mon aménagement, de vous faire une journée dans ma peau, etc. Donc je pense que je vais aller à mon appartement cet après-midi. Je pense que je vais recevoir des colis ce matin, mais je suis vraiment pas sûre. Je suis censée recevoir mon t-shirt de la situation en magasin. Vas-y, ça fait une semaine que j'attends, c'est en train de me... Puisque j'ai 1h30 de route, vu que je prends pas l'autoroute, parce que l'autoroute coûte super cher. Alors là, je vous le dis les gars, baisse déjeuner, vraiment du pain de mie grillé avec du Nutella. Mmh. Oui, allô ? Nouveaux épisodes de Murder. Alors là, j'ai vraiment, vraiment eu peur. Mais je suis trop contente. J'adore ce mec. Je l'ai vu en concert et waouh. Sinon, en attendant, je regarde une série. Ça s'appelle Des modèles de téléphone. Je vous ferai pas de résumé parce que je suis vraiment nulle pour ça. Donc là, je suis à la saison 3 et j'ai commencé avant-hier. Il y a 4 saisons. J'ai coupé mes cheveux en début du mois, mais en fait, bon, ils arrivaient. Mais je pense que d'ici octobre, novembre, j'irai recouper, mais beaucoup plus court comme j'avais l'année dernière durant l'été. Du coup, comme produit à chaleur, j'utilise que ça. Donc c'est mon lisseur Remington. C'est lui, je l'avais eu en partenariat il y a quelques années et il est super bien, il est super bien, il fait bien tenir. En fait, c'est des trucs que j'ai vus quand on a été à Barcelone. Mais en fait, j'ai eu un problème avec ma carte bancaire. Là, j'ai pris des bralettes. Elles étaient à... Je les avais vues en Espagne et j'avais gravé les étés. Elles étaient super belles. Donc du coup, voilà, je les ai pris. Parce que Octoly sont très très forts pour envoyer des colis pour un seul produit, en fait. Et ça fait énormément de déchets. Des nouveautés de Sephora. Soins hydratants de Sephora. Les packaging sont vachement écologiques. C'est une matière un peu différente. Ma crème hydratante, c'est super important. Donc ensuite, j'ai reçu ce duo de masques. C'est leur toute nouveauté et j'avais trop envie de craquer là-dessus parce qu'en fait, c'est des masques sensoriels. C'est une gelée à la pamplemousse qui apporte un effet peeling et lisse le grain de la peau. Pour un teint unifié et plus éclatant, c'est ce qu'il me faut. Et pour lui, c'est donc une formule aux extraits de chanvre d'origine naturelle qui resserre les pores, absorbe l'excès de sébum et atténue les imperfections pour une peau nette et matifiée. Ok, donc je suis en train de manger. Comme je vous ai dit, je fais une salade pomme de terre, tomate, thon. Ça va très bien, sachant que j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'ai essayé mes petites brassières. Pépites, elles sont trop bien. J'ai mis mes Air Force One. Celle-ci, voilà, plus confortable. Pantalon Bershka. Avec des chaussures, d'autres vestes, des vêtements. Ok, ça y est, je suis dans ma voiture. Comment vous dire que j'ai réussi à tout mettre. Donc là, je vais prendre le volant, donc je vais pas vous filmer. Puis je vous retrouverai quand je serai dans mon appartement, je pense probablement. Parce que j'ai terriblement chaud. Je me suis pas garée devant parce que je savais pas s'il y avait de la place et je voulais pas tourner de Milan. Bienvenue chez moi. Je vais vous le montrer vide, genre sans les meubles, sans la déco, etc. Bon, même si j'ai commencé à poser quelques trucs, mais bon, là, je vais ranger un peu. C'est mon entrée, donc vous voyez, ça monte, il y a des escaliers. Il y a mon aspirateur, bon il va pas rester là je pense hein, mais bon, un petit porte-manteau qui était déjà là. Et en fait on a un grand bar, enfin c'est pas un bar mais vous avez compris. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans cet appart, tout est gris, tout est neutre, même le carrelage, le parquet, etc. C'est hyper neutre et moi c'est vraiment ce que je voulais, les poutres sont super bien entretenues. Donc voilà, donc là on a mon entrée, vous voyez c'est le bordel, hein. Il y a des cartons partout et tout. On a une porte à ma gauche, c'est une petite pièce, ma chambre qui est genre plus grande que chez moi. Là on a un petit espace salon, là il y a tous les branchements pour la télé, il y a la fibre et tout. Espace pour manger, il y a une petite fenêtre, petit recoin, la cuisine, des petits rangements, vous voyez j'ai déjà commencé à mettre des trucs, mon four, des plaques à induction, ma hotte et là il y aura mon frigo. Donc voilà, il y a la douche, donc là il y a, normalement il y a l'espace pour mettre la machine à laver mais bon j'ai pas de machine à laver. Là les toilettes, la vasque, qui est objectif monté, j'ai 4 chaises comme ça. Donc écoutez, on va voir. Pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai réussi à monter une chaise. Vous voyez, c'est des chaises comme ça à Ikea. Elles sont pas très chères et franchement, ça vaut de ouf le coup. Nous avons ça. J'ai acheté à Bouchara.
Ce que je kiffe de ouf, c'est que sur mes poutres, j'ai des pics. J'ai pu monter ce portant là, bon il y avait pas de vis et tout donc ça va très vite, du coup j'ai pu pendre des trucs. Et j'ai monté mes deux néons, donc vous voyez ces deux néons, il y avait juste des vis. Donc voilà, il y en a un blanc et un rose, ils étaient en solde à bas bout pour 5€, donc j'en ai profité. Allô? Ce soir rien. Voilà, c'était la première fois que j'étais là, mais j'ai kiffé. Donc c'est des plus petits Polaroid, mais je suis contente parce que moi j'en voulais pas des grands grands comme j'avais. Donc voilà, la qualité est super jolie. Voilà, je suis contente. Là j'ai acheté un petit truc ici là. Est-ce qu'on va voir à Zodio pour 10€, quelque chose comme ça. Ça fait une lumière là les gars. Waouh. Vous allez à Ikea, faites gaffe aux bonnes affaires. Ça j'ai pris aux bonnes affaires pour moitié prix. Donc vous voyez, je peux mettre mes trucs dedans et tout. Et franchement c'est super beau. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Il est midi et demi et j'attendais mon colis en fait parce que je pouvais pas partir de la maison sans avoir reçu mon colis. Je sais ce que c'est. Oh wow! En argenté avec le bracelet comme ça. Et donc là il y a le jonc qui va avec et moi je le trouve super bon en fait. Je l'ai en un peu plus épais. Vous aurez un code promo de toute façon comme d'habitude. Et c'est bon, je suis passée chez le perceur. Donc voilà, j'ai fait mon troisième trou pour ceux qui vont me demander. Voilà, j'avais déjà mes deux premiers et le troisième, ça faisait un moment que je me tâtais. Donc ça m'a coûté 45€ les deux, plus les bijoux. Pour ceux qui vont me demander la douleur, etc. J'ai pas eu mal en fait, ça me chauffe juste l'oreille pendant 5 secondes. Puis je vais attendre qu'ils cicatrisent tous. Une robe qui vient de chez Shein. Et mes bottes que j'adore. Qui vient de chez Book, j'avais eu en solde. Mais je vais vous faire une vidéo, je pense que je vais vous faire un update de mes piercings. Du coup j'étais à Jennifer puisque c'est un t-shirt qu'elle avait déjà mis sur son Instagram et que je trouvais trop beau. Donc bon, je l'ai déballé dans la voiture parce que j'étais trop impatiente de le voir. Je l'ai pris en M pour qu'il soit un peu plus grand. Plus égale plus. Ah j'adore, je le trouve trop beau. Donc je suis trop contente. Les lions, c'est si bon. Je trouve j'aurais même pas le temps de le manger. Je pourrais l'emmener dans mon appart dès septembre. J'ai pris des profiteroles. Je sais que c'est pas le meilleur, les comme ça là. Et j'adore les profiteroles vraiment. J'ai pris des steaks hachés, hop là. Parce que en ce moment j'essaye d'atténuer de ouf le coca. C'est super bon, j'avais jamais goûté. Je sais que c'est sorti en boisson à McDo. Et hier j'étais chez des potes et j'ai goûté. Donc merci Johanna. C'est beaucoup moins sucré que l'Ice Tea. Et ensuite j'ai racheté des shampoings. Pareil, je pense que ça va aller direct à mon appartement. J'ai un soin aussi parce qu'ils étaient en réduction et j'adore les soins aussi. C'est l'une des meilleures marques pour tout ce qui est soins. Donc là j'ai pris le Miracle Shine. Ensuite j'ai pris un lot de deux shampoings Timothée. Pareil, les shampoings Timothée c'est mes préférés. Voilà, je pense que ce vlog va se terminer ici. Puisque bah là je vais rien faire concrètement. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!